Les dernières informations concernant le meurtre de Jamal Khashoggi nous parviennent du procureur en chef d'Istanbul. Selon cette déclaration, Jamal Khashoggi, dès son arrivée au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre dernier, a été étranglé et son corps démembré. Cette déclaration intervient 2 jours après la visite en Turquie du procureur saoudien Saoud Al-Ahmad. Celui-ci s'est entretenu avec des procureurs turcs et s'est rendu au consulat saoudien où s'est déroulé le meurtre de Khashoggi. Les autorités turques estiment que les responsables saoudiens doivent encore rendre des comptes, notamment sur l'endroit où se trouve le corps et l'identité du collaborateur local auquel les Saoudiens auraient remis le corps. Reste à savoir si les responsables saoudiens répondront à la déclaration du procureur turc. Le bureau du procureur n'a pas indiqué comment il avait obtenu ces informations très précises sur le meurtre de Khashoggi. Il faudra donc voir si le procureur décide de rendre publiques les preuves récoltées lors de l'enquête ayant permis de parvenir à ces conclusions. Les responsables turcs ont à nouveau demandé que les 18 Saoudiens arrêtés dans le cadre de cette enquête puissent être jugés par la justice turque. Pour l'instant, les responsables saoudiens ont refusé.